Vous êtes toujours avec les gilets jaunes constituants Île-de-France. Gilets jaunes constituants Île-de-France. Les amis, nous sommes devant le Sénat. Et voilà, nous sommes partis tout à l'heure devant l'Assemblée nationale, les amis. Bah, on s'est fait jarter tout de suite, hein, directement. Il se trouve qu'il y avait une manifestation qui n'avait rien à voir avec l'Assemblée nationale. C'était pour le soutien à Rachid Nekaz vis-à-vis des problématiques politiques actuelles de l'Algérie. Et là, du coup, on est venu devant le Sénat parce que bah, on n'a pas pu avoir de députés. Donc, on va trouver des sénateurs pour qu'ils nous parlent. Pour que les sénateurs nous parlent constitution. Et on va en profiter aussi pour toujours le lien avec ce qu'on vous a dit tout à l'heure devant BFM et Libération. On veut comprendre pourquoi il y a des subventions publiques qui vont en direction de la presse écrite, c'est pas ce qui nous dérange, mais de la presse écrite dirigée par des oligarques. Ça nous dérange par contre. Donc voilà les amis, on est devant le Sénat et on attend. On attend d'avoir du sénateur. Je pense qu'on va pas tarder à se faire jarter. Ouais, surtout que, tiens, regarde, il y a déjà les flics là. Eh ben voilà. Bon, mais les gilets du coup. Bah ouais, au point où on en est de toute façon. Allez, voilà. Au point où on en est. On irait pas faire un tour dans le parc. Le parc, on a le droit de dire. Mais tu verras pas de sénateur. C'est là qu'on les a chopés tous les sénateurs ici. Monsieur est un sénateur, non? Ça se voit, non? Il a la dégaine. Ouais, il a la dégaine. Les sénateurs ont tous l'air fatigués à chaque fois. Bah, les sénateurs, c'est surtout du recyclage de l'EHPAD. Hein, donc, Bah, les amis, ceux qui veulent de nous rejoindre en direct avec les gilets jaunes constituants d'Île-de-France, 91, 92, 94, 75, 93. Et donc aujourd'hui, on se pose plein de questions et je vois des sénateurs, je les vois. J'en vois plein même. Ouais. Allez. Bonjour monsieur. Vous êtes sénateur ? Nous sommes citoyens. Oh. Peace. Ça veut dire qu'il est sénateur. Vas-y. Donc voilà les amis. Bon bah, on va se faire intercepter direct. C'est mort, c'est terminé avec, avec des fous furieux comme nous. Voilà. Bonjour messieurs, on vient parler avec nos élus, les sénateurs si on en trouve. Ne vous inquiétez pas, c'est pacifique, bienveillant, on vient, on passe. Voilà, ça ressemble à du sénateur ça. Hein? Ça ressemble à du sénateur. Ils nous prennent en photo, ils sont bons. C'est bien ça. Toi et les corps constitués, c'est quelque chose. Alors là, les amis, ce que vous entendez, c'est la Blanche Hermine. Et la Blanche Hermine, en fait, c'est le chant des gendarmes. Les gendarmes adorent ce chant. C'est pour ça qu'on le met. C'est pour que les gendarmes, en fait, comprennent quel est le message de mettre fin à cet EHPAD qu'est le Sénat. Moi, par contre, ouais, je le verrais bien en EHPAD, moi, le Sénat. Transformation en EHPAD public. Et ou centre pour SDF. On peut lancer les idées, les amis. Pour ceux qui viennent de nous rejoindre, les amis, nous sommes devant le Sénat. Devant le Sénat, on cherche à parler à des sénateurs pour qu'ils nous expliquent quelques petites notions. Il y a des choses qu'on n'arrive pas à comprendre, comme la loi 1780. Vous savez, cette loi-là, projet de loi débattu, enfin qui a été déposé à l'Assemblée nationale, concernant une loi en fait qui priverait de RSA des gens qui feraient partie des casseurs ou des manifestants gilets jaunes. Voilà les amis. Ah, le monsieur est sénateur. Non. Bonjour monsieur, vous êtes sénateur? Est-ce que c'est possible de parler avec les citoyens? Monsieur le sénateur ne veut pas. Monsieur le sénateur? Non? Non,
monsieur s'occupe de la rubrique équestre du Sénat. La rubrique équestre du Sénat. C'est comme avec les journalistes. Non, je suis pas journaliste. D'accord, mais il n'y a plus de journalistes apparemment quand tu les écoutes. Il n'y a plus de sénateurs non plus d'ailleurs. D'accord, donc qu'est-ce qui reste en fait? Des secrétaires, des stagiaires de l'administratif. Bah ouais les amis, nous on verra ça bien, soit un EHPAD ou soit un centre d'hébergement pour SDF. Ou un CHRS. Voilà ce que ça pourrait être le Sénat, un CHRS, éventuellement. Donc mon ami, que penses-tu là? Parce que là, pour le coup, nous bah, on vient voir ces messieurs les sénateurs et les députés pour essayer de parler avec eux, parce qu'il y a des choses qu'on ne comprend pas. L'affaire des subventions publiques à la presse écrite, notamment presse écrite dirigée par des milliardaires. Et deuxièmement, une loi 1780, c'est la fameuse loi qui a été portée il n'y a pas longtemps en projet de loi à l'Assemblée nationale, concernant le RSA. C'est-à-dire que tout casseur, soi-disant entre guillemets, ou tout manifestant gilet jaune ayant été surpris dans des violences ou des gardes à vue pourrait avoir son RSA suspendu. Et les lois c'est étant énorme. Bien ficelées, cette loi est à relier à la loi anti-casseur qui fait que c'est désormais le préfet, donc plus un juge, qui définit en fait l'arrestation d'une personne. Et donc avant, ça devait passer devant un juge. D'accord. La loi est bien faite. Le préfet, c'est celui qui est nommé par le pouvoir en place. Tout à fait. C'est pas pareil que les juges, même si après on peut critiquer la justice, c'était quand même un garde-fou. Là, il y a moins de garde-fous. Mais en fait, c'est général, c'est-à-dire la presse, la politique en général. On est dans un entre-soi, c'est-à-dire les gens qui sont en place, je prends l'exemple des politiques, les gens qui sont élus ont des subventions publiques, les gens qui ne sont pas élus n'ont pas de subventions publiques. Mais d'accord. De facto, les gens qui émergent, qui veulent émerger dans telle ou telle élection, d'abord ils doivent payer leur bulletin de vote. C'est à leurs frais. C'est à leurs frais. Donc déjà, premier critère, le fric. Et deuxième critère, ceux qui ont de l'argent public, c'est ceux qui ont des élus. Et plus vous avez des élus, plus vous avez d'argent public. Donc en fait, ils ont encore plus de moyens de rester... Oui, à leur place. Donc c'est vraiment l'entre-soi. Et donc ce qu'on a parlé tout à l'heure devant BFM, c'est la même chose en fait, mais dans les médias, c'est-à-dire les subventions publiques vont principalement aux grands médias et pas aux petits médias. Mais on va aller voir les sénateurs. C'est à toi, mon ami. Bonjour, messieurs. Désolé. Ah, c'est pas un sénateur, c'est les amis, on pensait que c'était un sénateur, donc. Mais pour revenir sur ce que tu disais à Yannick, c'est un argent tout qui ça, c'est alimente une question de, un voilà. Système où les gens qui sont en place restent en place. C'est bien. Un truc en politique, dans les médias. Donc de l'entrisme, une forme d'immobilisme total et pas de possibilité d'évolution en fait dans ce système-là. Et ce qui est d'autant plus hypocrite, et on est un pays où l'hypocrisie est devenue une culture. Hein. Depuis au moins Louis XIV jusqu'à nos jours, c'est devenu la marque de fabrique malheureusement de nos dirigeants ou nos pseudo-dirigeants. Ce qui est fou, c'est que ces subventions publiques à la presse, au départ, ça fait partie d'un certain nombre d'un corpus de lois définies par les résistants qui avaient vu la propagande des années 30, en fait. Et ce qui se passe, c'est qu'ils avaient décidé après-guerre, pour faire émerger des nouveaux médias, ils avaient un certain nombre de choses qu'ils avaient définies, dont ces subventions pour le droit à l'information. Mais en fait, progressivement, ils ont changé l'intention de départ pour finalement avoir un système de subvention publique au nom du droit à l'information. C'est ce que disait tout à l'heure un journaliste de l'Express, c'est le droit à l'information. Ben, au nom de ce droit à l'information, en fait, de facto, notre argent, notre contribuable, un soutien citoyen, citoyenne, notre argent finance principalement les médias en place, qui sont les plus gros menteurs, au détriment en fait des médias émergents. Voilà. Donc c'est là que c'est hypocrite, c'est-à-dire qu'au départ il y avait une bonne intention du Conseil National de Résistance et ils ont dénaturé le truc. Et en fait on pourrait résumer au moins les 20 dernières années à un détricotage systématique de l'héritage du Conseil National de Résistance dans ce qui est le plus intéressant, la sécurité sociale, les retraites, la pluralité des médias, etc. On a quand même l'impression que dénaturer c'est la marque de fabrique du système. Oui, voilà, c'est ça. Exactement. Oui, parce que c'est vrai qu'il y a une capacité de l'oligarchie à capter, à digérer des nouvelles choses. Quelque part, je me fais un peu l'avocat du diable, l'oligarchie serait capable actuellement d'incorporer le RIC au système et en ayant toujours un système oligarchique. Bien sûr. Et en faisant, par exemple, le RIC ne fonctionne pas, que ce soit le Grand Bazar National, etc. Ouais. Il n'y a pas de formule magique, il y a une constante envie de se débarrasser. Oui, puis en plus, si on avait un RIC incomplet, donc
qui sont en toute matière ou pas, mais incomplets dans tous les sens du terme. Donc, par exemple, avec des médias non indépendants et une opinion qui sera toujours fabriquée, on peut se dire qu'ils pourraient utiliser ça pour nous discréditer, en fait, de lancer un RIC, voir, regardez, c'est le bordel, et puis de toute façon, ça fonctionne pas comme ça. Un RIC dans un système libéral, c'est se tirer une balle dans le pied, quoi. Ça marche pas. C'est ce qu'on disait. Donc c'est là que nous, ce qu'on fait en tant que gilets jaunes constituants d'Île-de-France, aller au cœur de dénoncer l'oligarchie. Et puis, de semaine en semaine, nous-mêmes, on comprend de mieux en mieux comment cette pensée oligarchique notre pensée évolue et aussi à nous sa faiblesse. Aussi sa faiblesse. Faut pas être là comme « Oh, les oligarques !» Non, non, leur faiblesse. Il y a une telle concentration du pouvoir et aussi une telle dégénérescence entre eux qu'on est au bord vraiment d'un possible éclatement de tout ce système partout. Et ce qu'on discutait tout à l'heure avec nos amis algériens devant l'Assemblée nationale, de lui-même. Bonjour. Manifestation, le fait de rester statique. Ah. Le Sénat est interdit. Il faut leur aller en face. Vous pouvez écouter des numéros pairs. Par contre, si on se déplace. Je ne vous filme pas. C'est le qui êtes-vous, madame? Je suis la responsable de la sécurité, monsieur. D'accord. Enchanté. Madame, bonjour, citoyenne. C'est une règle. Bonjour, monsieur. C'est une règle générale que vous connaissez, monsieur, je crois, car on s'est déjà vu. Tout le monde est en face, quel que soit le problème. Monsieur est connu dans le coin. Ok, donc, bah, on va se mettre en conformité démocratique. On va vous demander de traverser. Ouais, pardon, conformité républicaine, oui, c'est pas d'amalgame. Tout à fait. Bon, bah, très bien. Eh bien, allons-y, merci beaucoup. Donc voilà, nous ne sommes pas les bienvenus. Le gilet jaune est devenu une marque de. Marque de repère, mais j'allais dire plus que ça, un symbole révolutionnaire maintenant. Ils sentent bien. Moi je comprends pas, parce que si on a une culture démocratique, même une culture républicaine, le fait que des citoyens bienveillants avec un bon état d'esprit viennent poser des questions aux de leurs sénateurs, aux députés, en tant que sénateur ou député, on devrait apprécier. Bah oui, oui. Beaucoup de sénateurs et députés, quand vous leur parlez, vous dites ouais, mais les gens, quand ils viennent dans mon bureau, quand ils viennent dans ma circonscription, c'est pour réclamer tel ou tel truc. Mais personne vient discuter de questions générales. Nous, on vient pour ça. Des questions générales sur la démocratie, sur l'oligarchie, sur l'économie, sur les privilèges aussi des sénateurs et des députés. Ils devraient être contents. Et l'autre fois, hein, quand vous êtes venu, il y a un sénateur. Bon, bah, il est quand même resté un quart d'heure discuter. Il a apprécié cet échange citoyen-citoyen. Ah, bon, on rappelle, c'était Monsieur Bocquet, c'est ça, sénateur communiste du Nord. Bon, on se doute que lui, vu son étiquette, il s'arrête, mais que ce sera pas le cas de tout le monde. Hein. Ça devrait, c'est ça devrait, bah bien sûr, bien sûr. La culture démocratique. Ouais, ouais. On peut pas se prétendre démocrate à la télévision et derrière dire mais non, je ne parle pas et passer de l'autre côté du trottoir. Rien de mal. Bah, je rebondis parce que c'est intéressant ce que tu disais, c'est que c'est vrai, nous, après bah, maintenant 20 semaines de manifestations, mais on évolue. Déjà, avant, on avait le concept oligarchique, c'est-à-dire d'étudier qui sont ces gens, le pourquoi du comment, etc. Mais maintenant, on est vraiment face à une réalité et nos actions concrètes ont des réponses directes. Et c'est ça qui est intéressant pour nous, en tout cas, de voir comment ils s'adaptent et comment nous derrière on se doit s'adapter, et on est rentré dans un vrai combat, quoi, quelque part. C'est ça, et c'est vraiment le fait de se confronter au réel, d'aller se confronter les gens, les élus ou pas, hein, les pouvoirs oligarchiques ou pas, hein. Là, la semaine dernière, avec deux collègues, on était devant JP Morgan en train de balancer sur le fait que cette banque avait financé le fascisme très clairement, et que ça avait été démontré non pas par conspiration.com mais par le Sénat américain à l'époque et par des juges américains qui avaient démontré par A plus B. Donc Ferdinand Pécora. Ferdinand Pécora avait démontré en 1934 que l'OMONT, L-O-M-O-N-T, un proche de JP Morgan Jr. de l'époque, 1934, avait financé Benito Mussolini. Le même l'OMONT avait été voir pendant 6 mois comment les brigades fascistes en Italie fonctionnaient pour essayer de répliquer la chose aux États-Unis. Ça a été démontré par un juge, une carte sur table. Donc on était venu un peu challenger ça parce qu'on disait bon, ça c'est le passé, mais aujourd'hui JP Morgan UK, United Kingdom, en 2013 nous a dit à nous les Français, il faut, et au peuple européen, il faut changer vos constitutions, ils font constituant, le droit constitutionnel de protection constitutionnelle des travailleurs. Un an avant la loi El Khomri, ça a été fait et mis en place par Monsieur Macron. Quand on dit que c'est Monsieur Rothschild, Monsieur Oligarchie, c'est pas une façon de parler pour. C'est réel. Ouais. Lisez la lettre de mai 2013 de JP Morgan, il demande de faire ça. Un an après, pouf, c'est fait. Et là, c'est pas encore tout à fait fait. Et la deuxième chose qu'il réclame, c'est la page 12, c'est la fin
d'une revendication contre une politique, c'est-à-dire le droit de manifester en gros. Oui. Alors elle a déjà été pas mal remise en cause, mais on a encore la capacité quand même au moins de... Pour un temps encore. Pour un temps de pouvoir rentrer chez soi après une manif. Mais si ça continue comme ça, on va vers quoi? Vers un état d'urgence. En tout cas, JP Morgan demande deux trucs. Il y a un des deux trucs qui a été appliqué. Bon, pour revenir à ce qu'on disait, ça c'est les détails, c'est que quand vous confrontez, et là on confrontait les employés qui sortaient, en fait, ils étaient complètement paniqués. Parce que c'est des gens auxquels on n'a pas l'habitude de demander des comptes. Oui, c'est ça. Ils aiment rester dans l'ombre, dans leur petit milieu. Il y a deux collègues, enfin trois, du 78 et un de 93, Rémi, qui sont intervenus sur Pierre Moscovici. Vous pouvez retrouver ça sur... J'ai vu, excellent. Ouais. La réponse de Moscovici, elle est nulle. Oui, elle comme est creuse, il n'y a rien. Ouais. Il nous dit, avant, donc la question c'est la création monétaire. En plus, pourquoi... il dit bien, j'y ai participé à l'époque, oui, j'étais jeune, jeune politique. Jeune fonctionnaire, début des années 90. La question qui est posée par nos collègues... Bon, il parle pas de 73 d'ailleurs, il donne son excuse à lui, mais c'était avant en vrai. Parce que la question qui est posée, c'est sur la création monétaire. Avant, les États avaient le droit régalien de frapper monnaie. Depuis maintenant 20-30 ans, c'est plus le cas, plus même. Et que c'est un problème parce qu'on a du coup laissé le monopole au privé. Et lui, ce qu'il répond, c'est « Oh oui, mais pendant des siècles, les États avaient le droit de frapper monnaie, puis on a décidé de faire l'euro, donc depuis, on a pu le... » Alors que c'est pas directement lié à l'euro en plus. Mais non, parce que justement, ce qu'on montre dans cette vidéo, c'est que l'euro, ça a été une vente de la souveraineté supplémentaire. Oui, on pourrait dire que c'est une confirmation de ce que l'élite française avait déjà accepté de ne plus frapper monnaie. Depuis 1973, c'est déjà un premier frein. Et depuis, de manière définitive, on a trouvé un document du Sénat, justement, la commission des finances du Sénat, qui montre qu'à partir de 1985, la Banque de France ne prête plus un centime de francs à l'État. Il y avait déjà une diminution depuis 1910 parce qu'il y avait un encadrement, mais c'était encore possible. 85, il n'y a plus rien. Et on entérine ça, 92, avec le traité de Maastricht et la création de la Banque Centrale Européenne et la création future de l'euro. Mais c'est juste, si vous voulez regarder cette vidéo-là, il répond rien. C'est-à-dire, vous avez, finalement, c'est ça que je voulais dire, l'incompétence. Oui. Le creux des creux de ces hommes et de ces femmes politiques. Quand les challenges, il n'y a rien dedans. C'est creux. Bah, ils ont la compétence de te faire oublier la question quand ils répondent, tu sais, c'est le principe des politicards. Donc, et même quand on dit ils sont incompétents à nous diriger, non, ils sont très très compétents à nous voler. Faut pas oublier ça, ils sont très très compétents dans ce qu'ils font, mais ils travaillent seulement pas pour nous. Je rappelle quand même ta conférence Gilets jaunes, l'avant-garde révolutionnaire, c'est ça? Sur solidarité progrès, que j'ai trouvé super intéressante. Ça, c'est, je crois que c'est important que les Gilets jaunes se conçoivent comme ça, parce que des fois les gens s'auto-démoralisent. Oui. En pensant que, ouais, mais regarde, on n'est pas des millions comme en Algérie, regarde, les gens ils hésitent, ils nous soutiennent, mais ils mettent pas le gilet, etc. Ok, mais on doit assumer que dans les Gilets jaunes, on a une compréhension peut-être plus profonde que la plupart de la population de ce que c'est ce système. Les gens ont compris qu'il y avait un système qui tournait pas rond. C'était pas juste Macron, c'est pas Hollande. Bah, ça, si tu demandes à n'importe qui, au-delà de t'expliquer, tout le monde est d'accord qu'on se fait enfiler, quoi. Voilà. Ça, bon. Donc il y a un système qui enfile. Maintenant, on a une compréhension plus profonde, et pas juste chez nous, Gilets jaunes constituants d'Île-de-France, chez les Gilets jaunes en général, on le voit dans les manifs, dans les discussions, et même dans les ateliers qui se font en différents endroits, les âgés divers, compréhension plus profonde de ce que c'est cette oligarchie, d'essayer de cibler. Ouais, ça commence à prendre. Ça commence à prendre. Donc on doit concevoir que les Gilets jaunes, on est l'avant-garde révolutionnaire de la population, et qu'on entraîne les autres, on inspire. Et moi, il y a une chose que je pense qu'il y a eu un effet très très bon récemment, c'est la flash mob de nos amis des Gilets jaunes opération spéciale à l'ADP, à l'aéroport. Ça avait très bien marché. Hein. Il faut juste pour avoir un ordre d'idée, c'est drôle, mais prenez BFM. BFM a fait un petit sujet de 5 minutes où ils filment des gens en train de danser en gilet jaune dans Paris avec la banderole « ceux qui vendent le bijou de famille sont des traîtres ». Il y avait très peu de commentaires du journaliste de BFM là-dessus. Cette vidéo-là de 5 minutes de BFM, rien que cette-là, hein, sans parler des réseaux, a été vue 4 millions de personnes. Oui. On n'est pas juste avec des gilets jaunes qui ratent ça, on est là en train de toucher les papis et les mamies, les papas et les mamans de France qui, eux, sont outrés de voir ça et qui voient une action positive pour dénoncer ça. Tiens, voilà les collègues. Donc voilà, c'est pour dire que faut réfléchir à par quelle méthode on peut capitaliser et amener avec nous les millions de gens qui n'ont pas encore porté le gilet jaune. Tu crois que c'est 5 véhicules pour 10 gilets jaunes? Oui, bah comme d'habitude, hein, on a l'habitude. C'est un peu exagéré quand même. Tu crois que c'est exagéré? Bah écoute... Je veux dire,
Le système exagère chaque jour. Et d'ailleurs, oui, par rapport à ADP, et puis même nos actions à nous qui sont pacifiques et bienveillantes. Ouais. Les gars, ce qui est... J'y vais. Excuse-moi. Ah, pas de soucis. Et je vais vous dire, les amis. À mardi. Oui, ce que je voulais dire, c'est que par rapport à les, ce qu'on peut appeler les révolutions précédentes, c'est le policier de l'Assemblée nationale. Ouais. On nous dit vous êtes major, vous. C'est le major qu'on a vu tout à l'heure. Non. Oui, ce que je voulais dire, c'est que les gilets jaunes, malgré une excuse-moi de te couper, c'est vraiment pour nous. Oui, oui, pas. C'est bien sûr que c'est pour nous. 5 camions pour 10. Non, attends. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 11. 11, bref. Bon, bref. Standard. Oui, j'allais dire que. Parce qu'on est à l'apogée de ce système. Dans la bêtise de ce système, on est à l'apogée. Et notre colère est légitime, ça on n'en doute pas. Mais malgré tout, on reste, tu sais, taquin et bienveillant et dans une révolution bienveillante, en fait. Et sans parler des casses, etc., que je trouve qu'on peut justifier ou pas, tu sais, par rapport à la colère qui gronde. Mais de manière générale, on reste tous souriants, à rigoler, même avec la police. Il va falloir qu'on arrête. Ouais, le live, on parce nous que dit d'arrêter. Le live est interdit sur la place publique. Voilà. Donc on vous dit à bientôt, reprendra cette conversation plus tard. Et monter des équipes.